Hey les potes, aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de mon petit let's play sur Spider-Man PS4. Donc je voulais vous parler d'un truc, donc déjà avant mettez un petit pouce bleu en fin de vidéo, une fois que vous l'aurez regardé bien sûr. Je voulais vous dire donc en fait pourquoi j'enregistre sur PS4 avec directement ce qui est intégré dans la PlayStation. C'est tout simplement, attendez hop, c'est tout simplement parce qu'en fait normalement je peux utiliser le lecteur à distance PS4 sur mon PC et enregistrer avec OBS ou XSplit. Mais pour l'instant je ne peux pas. Et du coup je suis obligé d'enregistrer avec ça pour l'instant. Et également donc il n'y a pas de facecam. Pourquoi? Parce que j'ai perdu exactement toutes mes clés USB pour récupérer les rushs. Et du coup je peux pas faire le montage sur PC. Du coup le montage se fait sur Char Factory. Du coup voilà. Je suis obligé de faire le montage directement là-dessus, sur la PS4. Mais ça va arriver, j'ai commandé une clé USB à la Fnac de 64 Go. Ne vous inquiétez pas. Vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ça se tient. Allez, sympa, non? Qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance d'Oscorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. T'inquiète même pas, Yuri. J'adore les défis. Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. T'inquiète, on va réparer tes tours. Jetons un coup d'œil à cette tour. Okay. Les fréquences d'entrée sont inversées. Subtil. Ok. Ok, là on est presque bon. On est bon maintenant? Ah ok, c'est bon. La première tour, c'est ok. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? Non, non. J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? Bien sûr. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Ils sont vachement discrets. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Les ennemis maniant des armes de mêlée bloquent la plupart des attaques mais sont vulnérables aux projections aériennes. Toile et jet d'objets, ok. Oh là, lui mon gars. Bah c'est de la toile d'araignée quoi. C'est pas dégueulasse. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance? J'ai justement un vieil inspecteur bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Il a fait une voix d'inspecteur, tu sais. Alors, c'est toi, la balance. Dégage, raclure. Ouais, dégage, là. Laisse-la tranquille. J'ai dit dégage. T'es mal les enfoirés, ils sont à 6 contre 13. Et hop là, moi je les bute qu'avec des objets. Allez, ça dégage. Dégage d'ici. Où là. Lâche-moi. Oh là, oh là. Hop, hop. Ouf, oh la patate de foirin mon gars. Vous allez bien? Tout va bien madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond.
Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... 40 000 ans. Bah vas-y alors. Ok, j'irai peut-être. Voilà. Merci, Spider-Mec. Spider-Mec. C'est Spider-Man, mais... Elle m'a appelé Spider-Mec. Sur le promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination. Ouais, l'inspecteur Spider. Allez, c'est parti, l'inspecteur Spider. Quoi? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ça. Je sens que je vais le regretter. Quoi, hein. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter ah plus là, que... C'est easy ces trucs. Bingo. Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? C'est où? Ah. Wouhou. Oh. Ok. Wow. Un de mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. D'accord, c'était un vieux sac. Ok. Et du coup là, je l'ai rangé dans la fente de mes fesses. Oh, c'est tous les sacs à dos ça. Wow, wow, wow. Le menu okay. De notre premier vrai rencard avec MJ. Donc ça, c'est ce que j'ai je dans le sac. Dans un endroit plus chic, mais... Ok. Ça a pas eu l'air de la déranger. On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi-homme, mi-araignée. Allez, inspecteur Spider. Mais les mecs, vous êtes les Avengers. Comme dans Homecoming. Eh, hey, salut. Spider-Man, tue-le! C'est bon? Ah. Putain, j'avais pas vu lui, il s'est barré ou quoi? Il en arrive d'autres? Quoi? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Wouhou! C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Désolé, hein, on vous a sauvé, mais désolé. Au revoir. J'ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien. Un vieux de la vieille ou de la vieille. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, bah génial, ça. Merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider. L'infatigable... Yuri, vous êtes là? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Ok, c'est parti pour la deuxième tour. Ok. C'est good. Donc les vidéos vont durer 30 minutes à chaque fois, pour pas que ce soit trop long les let's play après. C'est un sac à dos là-bas? Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Oh putain, c'est quoi? Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui.
Il y avait des sacs. Ah là. Je vais aller chercher le sac là-bas. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma vie tranquille. Il est tout en haut, le sac. Il est là? Ouais, sérieux? Spidey met des sacs n'importe où. Ok, bon, maintenant on va aller là-bas. À toutes les unités, on a peut-être un kidnapping. Unité près de Bowery. Peut-être. Faut être sûr, hein, les gars. Attends, j'y vais pas. Je vais régler mon oreillette sur les voies étouffées. Oh, lourd, ok. Ah, donc là, c'est à moi de chercher le kidnapping. What? Mon oreillette a capté les coups. Hey, what the fuck? Merci, Spider-Man. Wow, ces types-là, attrapez-les. Qui? Wow, wow, c'est... Hey, what the fuck? Ils sont dans combien, là? Aïe. Ils sont combien, wesh? Ouf, pam. Voilà. C'est bon? Tu vas bien, toi? Merci. Ça va, merci tranquille à tous. Arrêtez de prendre des photos, là. Allez, avance, circulez, circulez, circulez. Allez, c'est parti. Oh, tu veux un check, toi? Allez, vas-y. Allez, salut, bisous. Eh, cheese. Cheese. Bon, bah, tu veux pas. Bon, allez, salut. 1000 mètres, c'est parti. Oh là, what the fuck. J'ai fait de la merde. Wouhou. Là faut que j'aille au labo, je crois, hein, c'est ça. Là je crois que... Non, c'est pas le labo. Ah si, c'est le labo. Hop là. Allez, au labo. On va me refaire un costume. Voilà. Faut faire quoi là? Faut que je mette un code? Ah, faut... Ah, c'est un... Ah non, c'est avec une carte, ok. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Allons construire de la toile. Oh, ah ouais, comment il est déchiré, mon gars. Comment il va le réparer? Peter, Docteur Octavius, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu... Il va voir le costume. Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est non. Bon, ça. Non, non, je suis pas Spidey, non. C'est toi. Non. Je vois pas de quoi vous voulez. Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oh, merde. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. Fais pas. Ah ok, il est ton con ce gars. Bien gardé. Il croit que je fais juste les équipements de Spidey.
Qu'est-ce qu'il est con? What? Check your email, auto. Regarde tes mails. J'ai dormi dans les locaux. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Si, il te renvoie, dégage. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses. Oh putain, c'est un admirateur. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Une araignée blanche, hein? Ouais, ça je sais, c'est des jetons pour faire les techniques et tout. Putain, elle est stylée. Salut. Lui, c'était Miles Morales, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ouais, merci. Toi aussi, hein. Hello, New York. Ouais, aïe, aïe, aïe. Pourquoi ils nous redisent le tuto? Je suis me balader dans New York. Oh là là, il est stylé. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. C'est génial. Wouhou. Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici. Mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Quoi? Il arrête jamais. C'est quoi, toile de choc? Ok. Wow. Ça pourrait bien marcher. Fort. L1. Toile de choc. J'aurais dû prendre mes lunettes. Parfait. Oh. Le doc serait fier. On va se... Non, là, personne m'a vu encore. On va se la jouer silencieux. Vu que vous êtes nouveau ici, je vais vous donner la règle. J'en ai... C'est illimité? Vous n'avez pas intérêt à être en retard pour une livraison. Jamais. Le chef ne présente pas. Il n'acceptera aucune erreur. Un jour, un gars a décidé de s'arrêter pour prendre un verre. Oh, ils sont trois ici. Ça va être chaud. Sa dernière livraison. On va essayer de monter. Pourquoi je peux pas monter là? Si? Est-ce que je peux? Ok. Ils sont beaucoup là. Enlevez-moi cette saleté!
fait dodo. C'est bon, on n'a pas vu. On s'en joue, infiltration, c'est cool. On va remonter là. Il n'y en avait pas un autre, il est où l'autre? Ah, il est encore là, lui. Et c'est encore là. On peut t'attaquer comme ça. Hop là. Ça dégage. Ok, il y a lui. J'aime bien jouer comme ça en infiltration, tu sais, genre... tu te donnes un défi, j'aime bien. Hop, dégage. Personne m'a vu? Personne m'a vu. Par contre, du coup, là, ils m'ont vu. Wouhou, esquive, hop là. Hop, hop, allez. Dans ta gueule. Hop là, dégage. Hop là, dégage. Vague 4. Ah, encore. Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Ça vous confère des aptitudes spéciales. Ils ont dû appeler leurs copains. Wouhou. Dégagez. Oh, il a tiré dessus, ce con. Ah ah. Wow, 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 wow. Mais c'est trop chaud. Quoi? Je me la suis pris dans la gueule. Mais non. C'est ça que j'ai des grenades, espèce d'enfant. Ah, ah. Ah, je peux la rejeter, la grenade, je crois. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Ça devrait me calmer. Oh, oh, oh. Fumez-le. Dégage, hop là. Wouhou. Dans ta gueule, allez. On t'aura mort, mon vif. Puisqu'il n'y a pas de préférence. Qui a envie de se rendre? Personne? Allez, dans ta gueule. Hop là. J'apprends les techniques, j'apprends les techniques. Wow, wow. What? T'as aucune chance, mon pote. What? Il m'a tiré un roquette dans la gueule. Je vais mourir.
endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Génial, merci. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ça marche. Ça marche, ma couille. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Bon, bah écoutez, les gens, on va se laisser là pour le moment. On se retrouve prochainement pour le troisième épisode. Là, j'ai kiffé. Par contre, c'est vraiment chaud, les gens. Du coup, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous n'hésitez pas à partager parce que c'est le plus important. Parce que j'ai besoin d'être famous. Ouais, non, je déconne. Oh, il y a un truc là-bas. Ouais, bon, ça, je le ferai après. Et du coup, bah, je vous laisse. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la petite cloche de notification. Et je vous laisse pour... je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Qui sera dans pas longtemps. Ciao tout le monde, c'était Exigeek.